et bienvenue sur cette chaîne. Donc ça y est, enfin la saison 3 de Pakneux est sortie. Dans cette vidéo, on va parler de ce qu'on a pensé de ce premier épisode, de ce qu'on a aimé, de ce qu'on n'a pas aimé. Et à la fin, on mettra une note sur 20. Donc stay tuned. Avant de commencer, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Anta et moi sommes ravis de vous compter parmi nous. Merci aussi aux anciens qui nous suivent et qui nous soutiennent depuis le début de cette chaîne. On vous porte vraiment dans nos cœurs, vous êtes des vrais. Alors commençons par le commencement, donc le générique. Dans ce générique, Lego Pakneux nous donne un avant-goût de ce qui nous attend par rapport à cette saison 3. Beaucoup de scènes de bagarre et de course-poursuite. En parlant de bagarre, est-ce que t'as vu le karatéka, le kung-fu de la comédienne là? Ça se voit que ces filles prennent du plaisir à tourner cette série. D'ailleurs, elles nous réservent toujours des petits bêtisiers à la fin où elles sont en train de rigoler. C'est vraiment du vrai et c'est ça que j'adore avec cette série. Ces filles sont vraiment marrante à l'écran comme dans la vie réelle. C'est des filles avec qui tu as envie de hang out. C'est des filles que tu aimerais qu'elles soient tes meilleures amies parce qu'elles sont drôles. Elles nous donnent l'impression que tu ne peux jamais t'ennuyer avec elles. C'est ça leur marque de fabrique au Go Pakneux. Elles sont belles, drôles et ça se voit qu'elles sont humbles aussi. Ce qui m'a un peu déçu, le petit hic par rapport à ce générique, c'est que je m'attendais vraiment à une autre chanson. La chanson de Muriel Blanche que j'aime beaucoup, hein, Embrasse-moi une dernière fois, elle est super cette chanson, mais elle collait bien avec la saison 1 et 2 quand elles étaient en ville. Dans la saison 1 et 2, le générique aussi était différent parce que c'était des photos d'elles en mode belle gosse et tout ça, ou bien en train de rigoler. Du coup, c'était super avec cette chanson. Mais dans cette saison 3, quand tu regardes le générique et quand tu écoutes la chanson en même temps, ça va pas ensemble. Il y a un clash en fait. Je te propose de regarder le générique en baissant le volume complètement, mets-le à zéro et tu vas voir que ce n'est pas du tout à cette chanson qu'on s'attend. Je dis pas qu'il fallait qu'elle nous mette un truc en mode villager, djembe djembe et tout. Parce que Lego Pakneux, c'est des meufs modernes, hein, attention. Mais la chanson Embrasse-moi une dernière fois est moins compatible avec cette saison 3, c'est tout. Donc l'épisode commence avec Poupi, égale à elle-même, qui est allée chercher des problèmes, insulter la mère d'autrui. On sait tous que c'est la bouche de Poupi qui va la tuer, mais quand il s'agit de se battre, ah là, elle est allée chercher des renforts. Sa sœur, Man Défaut, a.k.a. Muriel Blanche. Cet épisode dure 4 minutes et 52 secondes, ce que je trouve tout à fait correct. C'est juste ce qu'il faut, la bonne dose de fou rire, sans en faire trop. Poupi, comme d'habitude, elle était super marrante, franchement, rien à dire. Et Muriel Blanche, bien sûr, en bonne femme d'affaires, n'a pas hésité à faire la pub de ses vêtements, hein, envoûtée by Muriel Blanche. D'ailleurs, Muriel, c'est bientôt l'hiver ici en Europe, hein, donc il n'y a pas de souci, tu peux m'envoyer un de tes pulls là, je vais les porter volontiers. Non, je rigole, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Lego Pakneux. Hein. Je voudrais aussi féliciter le jeu d'actrice des trois autres filles à côté d'Ego Pakneux. C'est pas facile de jouer à côté de filles aussi marrantes, mais franchement, elles ont assuré. Surtout celle avec les tresses, j'étais morte de rire. C'est kung-fu, elle s'est tirée. Ah non. La vidéo a duré seulement 4 minutes, mais j'ai jamais autant rigolé. Par contre, le mec qui est venu séparer la bagarre, là, il a cassé l'ambiance. Je sais que c'était un bon rappel culturel, le truc de taper si on veut se bagarrer, là. Mais c'est venu tout casser. En plus, il arrêtait pas de regarder la caméra. Ça m'a gêné un peu, mais bon. Ok, la meuf avec les tresses, c'est celle qui faisait le plus de kung-fu, mais arrivé le moment de se battre, c'était la première à s'enfuir. La deuxième petite chose qui m'a aussi gênée dans ce premier épisode, c'est le fait qu'en fait, par rapport au thriller, je pensais qu'il allait y avoir une histoire en fait, un déroulement, mais pas des petits sketchs en fait. Parce qu'en regardant le thriller, on a l'impression qu'en fait, elles vont débarquer au village tout d'abord et ensuite leur vie va dégringoler. On s'attendait pas à ce que le premier épisode commence directement par Poupi et Man Défaut qui sont déjà dans le village. Peut-être qu'avec les épisodes suivants, elles vont expliquer comment elles ont atterri au village, mais voilà, c'était juste un petit détail. J'espère vraiment que ces petits sketchs vont passer sur les chaînes nationales au Cameroun, hein, pourquoi pas. Dis-moi si tu habites au Cameroun et si tu aimerais voir ce sketch passer à la télé. D'ailleurs, dis-moi d'où tu viens, d'où tu regardes cette vidéo right now là. Dis-moi tout ça dans les commentaires. De quelle nationalité tu es? Comment est-ce que tu as découvert les Go Pakneux?
Enfin, maintenant, pour finir, on va donner une note sur 20 pour le premier épisode de Pacneux saison 3. Alors, roulement de tambour. Pour cet épisode, je donne une note de 18 sur 20. 18 sur 20, pourquoi? Parce qu'il y a deux choses qui m'ont gênée, donc la musique du générique qui n'a pas changé, et puis le déroulement de l'histoire, le fait que ça a commencé directement par leur vie au village. Dis-moi dans les commentaires si t'es d'accord ou pas d'accord avec cette note, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine, n'oublie pas que tout ceci c'est pour le divertissement positif, et c'est l'Afrique qui gagne.